Salut, nouveau vlog, on est dimanche. La journée pour moi est quand même pas mal avancée. J'étais comme d'hab sur le montage du vlog. En plus, il est 13 minutes, donc beaucoup, beaucoup, beaucoup plus long. Là, on s'apprête à aller à la foire fouille, toujours pour notre histoire de rideau, enfin de train qu'Eric ne veut pas. Il ne veut pas faire des trous dans les murs. Donc, je sais que chez foire fouille, ils en font, puis le dimanche, c'est ouvert. Vous savez, c'est les écarteurs entre chaque mur. On va faire ça, au moins je suis certaine comme ça qu'il installera. Et ça nous fera un petit peu sortir aussi parce que même s'il fait un temps pourri et tout, pour le moral, c'est quand même mieux de prendre un peu l'air. Avant que j'oublie, parce que vous avez été super nombreux, donc c'est pas ma tenue, hein, j'ai remis mon bas de pyjama. Action, parce que vous vouliez tous voir comment il rendait porté. Donc taille 36, il est très confort, donc si vous en cherchez un et vous hésitez, je peux vous dire que vous pouvez foncer. Alors, nous sommes sur un tout petit, un léger changement de programme qu'il va falloir que j'annonce à Eric. Je dois rester là le temps de, enfin, juste le temps de finaliser un boulot. Je pense qu'il va pas être content. Il est en train de prendre sa douchette là. Il sifflote, mais ça va pas durer. Ouais, mais bon, on va pas aller faire de sport, ça me gâte. J'ai pas dit qu'on n'allait pas faire de Mais moi, sport. je le dis. Pourquoi? Ah, parce qu'il est 16h et donc il fallait. Donc c'est fini. Et quand c'est pas l'un, c'est l'autre qui râle. Ça y est, j'ai terminé ce que je devais faire. Je vais voir Eric, mais je pense qu'il va me dire que c'est trop tard et on va juste aller à la foire fouille. Bon, on est à la foire fouille et ils ont sorti déjà tous les sapins. Et c'est vrai que cette année, moi j'ai bien envie d'en faire un esprit naturel dans le vert, parce qu'il me semble que ouais, le mien il est blanc. Je commence un peu à m'en lasser, donc je verrai. Pour l'esprit un peu cinéma, mais s'il y a d'autres couleurs, je m'en fous. Moi, le tout, c'est qu'il y en ait un. Blanc. Ou bah blanc avec blanc, le rideau. Ça se voit pas. Ok. Bah, si tu veux. Là. Sinon, j'ai blanc. Hein. Comme ça. Par exemple, tout ça là. Mais je trouve ça triste. Oui, c'est triste. En réalité, pour moi, tout ça, c'est que de la tristesse. Toute la lumière comme ça. Et ça me. Mais toi, c'est la consommation qui t'énerve. Non, il n'y a pas que ça. Regarde, joyeux anniversaire. T'as besoin de le marquer dans ton assiette quand tu fêtes ton anniversaire. C'est quoi le projet? Il n'y a pas de projet. Bon appétit sur la prochaine. Et puis après, bon, bref, on est dans une société qui est débile. Quoi? C'est jetable. Bah ouais. Voilà. Tout est jetable. Ça, c'est avant l'avant. Là, vous êtes au mois de novembre, mais il est déjà en vente, donc c'est avant l'avant. À sa volonté. D'aller boire du thé quelque part? Moi, qu'il y en a un, surtout. Mais je crois qu'il y en a un. Non, ah, à sa non, volonté. Pas le dimanche, non. Je crois pas. On doit boire du thé, mais il y a un salon de thé. Bon, l'objectif du moment, c'est. Vas-y, je t'écoute, Eric. Trouver. Un salon de thé. Voilà. Non. Un salon de thé. T'en vois que dalle, attends. Au bord d'un plan d'eau. Ah, je t'explique. Non, mais t'es sérieux, déjà. On est dimanche. Là où on habite, on en a pas. On en a, mais c'est pas ouvert aujourd'hui. Hop, près d'un plan d'eau, ça caille. Parce qu'un salon de thé, c'est plus joli quand c'est près d'un plan d'eau. Oui, non, mais enfin, pas à cette période de l'année, quand même. Je crois que déjà les terrasses, là, c'est fini. Hein. Je t'ai pas dit en terrasse, je t'ai dit près d'un plan d'eau. Toi, un bistrot, ça ira quand tu es. Ah non, je veux un petit truc un peu sympa, bucolique. C'est beau, on est à Bonneval. Et comme on n'a pas fait notre balade, oh, ça rend bien. Eh bien, on va marcher un peu et peut-être qu'au détour de la marche, on va voir un petit salon de thé un peu sympa. Et c'est quoi, non? T'es sûr que non? Oui. Ah ouais? On ne sait pas, hein. C'est toujours ça, hein. Et quoi? Ah, de marcher un peu. Ah oui. Oh, le lampadaire, il est puissant. Ouf. Mais en fait, l'eau, là, elle a débordé sur un tout petit pont. On est passé tout à l'heure en voiture. Et il faudrait pas qu'il pleuve plus. C'est chouette ce qu'ils ont fait, hein, les éclairages, je trouve. C'est une ambiance. C'est la Venise verte. Exactement. Je crois. Hein. Bonjour. Toujours important d'avoir un œil sur les. Ah, attends, regarde, il y a des commerces allumés. Là. Oh, tu te calmes. Hein. Il y a des salons de thé, c'est ouvert. Ah, tu dis plus rien là. Ouais, je crois qu'il va être trop tard, mais. Non, regarde, on passe devant, on passe devant. Oh, regarde comme c'est beau. L'escalier et tout, c'est hyper design. Ça fait loft. Oh, enfin, quand même, il est mignon, lui. On vient pour un salon de thé. On trouve un salon de thé. Nous sommes dimanche. Et ça va pas.
On peut y aller, se boire un petit thé ou un petit truc. Bon, bah il est trop tard. On est devant la maison. On va essayer de piéger Jack parce qu'il doit avoir faim. Comme on n'est pas rentré comme normalement. Non mais je te jure, il était là-dedans, il était là. Ouais, parce qu'il a eu peur. Il a eu peur, ma puce. On voulait te faire une blague. Excuse-nous, qu'est-ce que tu es sensible comme bébé ça. Ben oui, il a eu peur. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Nous voilà entrés. Bon, on pourrait croire que c'était un coup dans l'eau, un flop, mais non. Finalement, cette petite balade, c'est bien sympa. Et regardez ce qu'il a pris. Non mais... J'avais pas vu un poncho de pluie pour adulte, genre quand il va au boulot à pied. C'est hyper discret. J'ai eu peur qu'il m'en prenne un. Mais non, je lui ai dit que c'était bon, moi, j'avais ce qu'il fallait. La tringle, je crois que je vais vite. J'ai réussi à négocier parce qu'il voulait prendre autre chose, bref. Je vais la poser, voilà. Donc je vais mettre ça et le rideau. J'ai hâte de vous montrer de toute façon. Je viens de le passer, hein. Forcément je commence comme ça, et on va le fixer. Hein. Je suis dégoûtée, les mesures ne sont pas bonnes. J'avais pris les anciennes mesures, genre tringle, du coup elle est trop grande. Mais j'ai pas dit mon dernier mot, je pense qu'elle peut être bien, j'ai envie de la mettre dans sur la porte d'entrée, comme ça coûtait 9€, avec le drapé et reprendre. Je vais voir, on va tester. Vous voyez l'idée? C'est de la mettre là, bam, comme en plus, ouais ça pourrait être super joli. Et c'est mal fixé quoi. Je sais pas. Perso, je trouve ça très très beau. Ouais, et après quand tu ouvres la porte? Comment ça? J'ouvre la porte. Bah j'ouvre la porte, hop. Bon bah je vais faire ma clé. J'ai calculé pour pas que ça soit en bas de ça. Mais j'avoue que c'est pas calé, c'est pas calé du tout. Mais ça fait trop bien et puis ça garde la chaleur. C'est plus fort que lui dès qu'il y a une nouveauté. Mais oui, c'est toujours ta maison, t'aimes bien. Eh bien, Eric, je crois qu'il a mis, il a rien dit. Il a rien dit. Donc, je lui ai dit que peut-être. Enfin, ce qui était cool, c'est que pour l'hiver, on le laisse. Et puis l'été, soit tu mets un voilage ou soit tu mets rien. Tu mets rien. Mais là, mais j'aime tellement. Et encore, ça rend mieux en vrai, je le sais. C'est le bordel. Tout ça, c'est ce qui va partir déchetterie qu'on doit jeter. Je me recule, mais voilà, c'est... Faites pas attention au bordel. Très très chaleureux. Comme quoi, si je m'étais pas trompée dans les dimensions, eh bien, j'aurais jamais eu l'idée. Oh mais non, je l'avais pas vu. Mais qu'est-ce que tu fais là, mon bébé? Il s'est parmi de ses émotions. Hein? Oh la tête truc. Mais c'est un comédien, mais vraiment. Regardez, il fait son petit chatou truc. Oh, pourquoi la tête triste, mon Zaki? Hein? Mon bébé? Fais le bisou. Oh oui, il est gentil. Bon, tu me racontes un peu ta journée folle. Après avoir dormi, piqué. Ah oui, vous savez quoi? Il est en train de me pique des gâteaux. On a laissé un paquet de gâteaux. Il en a piqué 3, donc il les a pas mangés, ça l'intéressait pas, mais il les a pris dans la gueule et il les a mis un peu partout dans la maison. Donc c'était une chasse au trésor. Eh oui. 19h22. Eric il a sa mission là avec l'ordi et moi je vais manger. Je crois que je vais me faire une petite soupe. Mais évidemment une petite soupe quand même améliorée. Alors donc celle-ci potiron muscat. Ah j'ai pas vu petite pointe de muscade, super. Croûtons, gruyère et éventuellement j'ai envie de manger des petits pois. Et ça c'est comme ça pour le fun, on va dire l'apéro sans l'apéro. La déco on va dire canapé, donc comme je vous ai dit ça n'a pas été fait aujourd'hui, j'ai même pas eu le temps de peaufiner, de m'entraîner. Je peaufinerai demain, je pense. Ça va pas tarder. Et pour le reste, c'est-à-dire... Ouais, là, le rideau, résultat, je vais être obligée... Si je décide de garder le rideau de l'entrée qu'on a mis, il va falloir que j'en rachète un. Mais ça tombe plutôt bien, puisque je vais avoir un avoir où je vais pouvoir échanger avec la tringle.
Voilà, et il me faudra quand même une tringle, mais ça je laisserai Eric faire du coup. Cette petite soupe au potiron, je vais l'agrémenter évidemment de gruyère, de muscade, non, parce qu'il y en a déjà. J'adore la noix de muscade. C'est vrai que ça aurait été bon d'en mettre un petit peu, mais j'en ai pas de la, on va dire de la fraîche. Des croûtons, on va peut-être en mettre quand même. Voilà. Et puis, vous avez vu, elles sont belles, hein, ces assiettes. Je vais me poser comme à mon habitude et regarder. Ouais, une petite série. Ah, je regarde, mais vous connaissez sans doute Counterpart. C'est génial, c'est allemand, mais c'est tellement bien, c'est sur OCS. Pour le dessert, ça va être un peu de lait chaud avec les chocos trempés. Tiens, c'est marrant, ça fait déclinaison avec l'assiette. Et vous voyez là, ce que vous voyez en céramique, la petite maison. C'est ce que j'ai eu dans la My Little Box avec la petite bougie dedans. Ça va être super mignon. Je vais bientôt l'allumer. Enfin, bientôt. Pas aujourd'hui, mais pour faire vraiment l'esprit de Noël. Et je vais vous retrouver demain dans une nouvelle vidéo. Ses cheveux, ça va pas durer longtemps. Cette semaine, j'y vais. J'ai tellement de choses à faire la semaine prochaine. J'arrête pas de dire la semaine prochaine, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Et au final, on verra bien ce que je vais réellement faire. Ça va être drôle. Enfin, faut vraiment que je fasse quelque chose avec cette coiffure. Allez, salut, vaut mieux.